Salut à tous les amis, c'est Aster et on se retrouve pour ce premier épisode de Pokémon version Crystal en Métronome Challenge. Le but du jeu est simple, c'est une série qui est fun et qui est 100% basée sur le Métronome Battle. Le principe du Métronome Battle, c'est quoi? C'est tout simplement le seul move du jeu que peuvent apprendre les Pokémon seront Métronome. Et Métronome, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaîtraient pas assez Pokémon, Métronome est une attaque qui utilise n'importe quelle attaque du jeu pour attaquer. Donc ça peut être aussi bien un Machination qu'un Feu Sacré par exemple. N'importe quel Pokémon peut... il peut apprendre les moves de n'importe quel Pokémon. Par exemple Carapiège. Sauf que là nous sommes dans la 2G, donc Carapiège n'existe pas. Alors, les options pour commencer, vitesse de texte, animation... Alors, vitesse... Non. Voilà. Ok, on va rester comme ça, on s'en fiche un peu de tout ça. Nouveau jeu, c'est parti, d'accord, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Alors, je vais tout de suite vous expliquer les règles du jeu. Donc, ça va être une série détente, donc qui va être relativement, partiellement semée de coupures, parce que, vu que c'est un Métronome Battle, de 1, je peux pas le faire en Nuzlocke, parce que si je dois compter uniquement sur la chance pour avancer, jamais je finirai le Let's Play, parce que, voilà, la chance, voilà. Donc du coup, les règles du Nuzlocke ne s'appliquent pas, donc je vais capturer les Pokémon qui m'intéressent, mais il y a quand même ce petit côté Métronome, ce qui veut dire que tous les Pokémon auront seulement, comme pour seule attaque, Métronome. Pas autre chose. Les potions sont autorisées, bien entendu. Les centres Pokémon également. Tout est autorisé du moment que je puisse aller jusqu'à Raid en full Métronome Battle. La plupart des combats seront skip. Parce que, bien évidemment, quand vous avez des Métronomes qui balancent que des attaques inoffensives, genre des trompettes, des machinations, des machins, il est normal que le combat dure une éternité et donc qu'il soit coupé au montage. Sur ce, commençons tout de suite. Nouveau jeu. Êtes-vous un garçon ou une fille? Oui, c'est la première fois qu'on a ça d'ailleurs aussi. Alors il faut savoir que Crystal, je n'y ai jamais joué. Je n'ai jamais joué à Crystal. C'est la première fois de ma vie que j'y touche. Et ne vous inquiétez pas, les différences scénaristiques, je vous les montrerai si jamais il y en a. Parce que moi je n'ai jamais joué. Donc je découvre. Bah une fille hein. Hein quoi tu m'as réveillé, mais quelle heure est-il? Bon on s'en fiche, allez. Bon c'est toujours la même chose. Bonjour, désolé de l'attente. Bienvenue dans le monde des Pokémon, mon nom est Shen. Ce monde est peuplé de créatures. En fait on s'en fout parce que je connais Crystal comme ma poche. C'est quoi ton nom? Oh est stylé. Christy, Sophie, Nicole, Jeanne, au secours! Et bien évidemment, voici le retour de Aster qui a décidé d'aller capturer quelques petits Pokémon et de devenir maître de la ligue. Ma quête. A plus tard! Donc, waouh, magnifique sprite. Oh, ça fait du bien de changer de sexe un peu. Nani? Ah, notre voisin te cherchait, il voulait que tu fasses quelque chose. Ah oui, je suis devenu un esclave. Merci, j'ai reçu un smartphone. Oh, il est pas paramétré. On s'en fiche! Changement d'heure, mais on s'en branle! Oui, mais... Ah! Merci! Lâchez-moi avec vos tutos. Oh, oh, j'ai une sœur. Bonjour. Je suis de passage. Ma fille veut devenir... Ouais, super, merci. D'accord. Maman dort dans la cuisine, comme d'habitude. Bon, j'ai envie de dire, c'est une femme, hein, après tout. Oh, il a une table en plus. Purée, Stéphane Plaza, il est passé par là, hein. Putain, c'est tellement vide en même temps. J'ai un service à demander. Oui, c'est Monsieur Pokémon, machin. Un article pour une grande conférence. Ah, mais c'est différent. Mais certains points restent mystérieux. Donc, j'aimerais que tu entraînes un de mes nouveaux... Quoi? Tu es chic. Nous en saurons un peu plus sur le mystère des Pokémon. Et ça, ce n'est pas rien. Mais c'est nouveau, ça a changé. Ça a changé. Oh, il faut que je lise alors. Oh, j'ai reçu un email. Oui, ok.
écoute voir. J'ai un ami du nom de Monsieur Pokémon, encore une fois. Il découvre sans cesse de drôles de trucs. Il vient de m'envoyer un email disant qu'il a quelque chose à me montrer. C'est terrifiant. C'est tentant, mais j'ai vraiment trop de travail. Attends, je sais. Aster, peux-tu y aller pour moi? Je veux que tu entraînes l'un des Pokémon dans ses bols. Il sera ton nouvel ami. D'où tu choisis mes amis? Bon, c'est Germignon, Kaiminus et... Oh, Suicune! Oui! Oui, bah oui, bah oui, 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 Suicune! Il est tout en haut du layout, oui, oui, effectivement. Et Poli, nique ta race. Non. D'accord! Ah bon, mon choix est vite fait. Mon choix est vite fait. Bon, bah écoutez, nous avons déjà la mascotte de la série. Le Suicune. Bon, ça va, ne rajoute pas. Ah mon dieu. Direct, la mascotte de la série dans notre équipe. Allez, donnez un surnom. Mais oui, évidemment. Et nous allons donner comme surnom aux Pokémon des noms de villages alsaciens. C'est le thème de cette émission, ou plutôt de cette série, ou plutôt de cette saison. La sixième saison d'ailleurs. Et on commence à avancer. En vrai non, on n'avance pas du tout. Je devrais déjà être à la dixième saison, mais bon. Du coup, on va l'appeler comment? J'ai des... Ouais, ouais. Des noms de villages alsaciens. Eh bah écoutez, à Wolfsheim. Vous allez aimer les Heim. Vous pouvez chercher sur Google Maps. Je sais pas si j'orthographie correctement après. Après Villegriotte, la ville voisine. C'est tout droit, tu ne peux pas te perdre. Ah bon, t'es sûr? Mais on ne sait jamais. Prends mon numéro de téléphone, appelle-moi si t'arrives un truc. Tu veux me sucer? Cool. Je peux y aller? Potion. Bon, allez. On s'en fiche un peu de tout ça. Le tuto. Oui. Bon, de toute manière, on s'en fout. Il n'y a pas de Nuzlocke. On peut bien voir ce qu'il y a dedans. Oh, il y a des animations. Par contre, dodo, il n'y en a pas. Alors oui, vous ne les voyez pas à l'écran. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas d'étui à Balge. J'ai décidé de ne pas en faire pour cette série. Parce que j'avais la flemme en fait. Merde, j'aurais dû le tuer. Parce que gagner de l'XP c'est quand même intéressant. Parce que je ne connais pas du tout Pokémon Crystal, donc voilà. Oui. Tortank. Oui, d'accord, effectivement, métronome. On va rigoler un coup. Oulad. Ah, j'ai raté mon attaque. Ah bah tu peux y aller, fauchage, hein. Tu risques pas de me tuer avec ça. Contre. Allez, bouffe. Mais ça va pas faire grand chose, évidemment. Métronome. Voilà, voilà ce que c'est un métronome battle. Non, je suis mort. Dracorage, non. Non, mais Dracorage. Et voilà pourquoi je fais pas de Nuzlocke. On peut tomber sur ça. Bon, évidemment, j'accélère. Ouais, ouais. Pour XP, ça va être une... Oh, Cizayox! Regardez-moi ces combats d'autistes! Regardez-moi ces combats d'autistes! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait... Qu'est-ce que c'est que ça? What? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la série a déjà commencé, ça me saoule! Ah, lâchez-moi! Oui? Ah! Ah! Ah, c'est toi, Aster! Moi c'est Shen, je suis un chercheur Pokémon. Je suis venu rendre visite à mon vieil ami, Monsieur Pokémon. On m'a dit que tu rendais service au Proform, alors je t'attendais. Oh, c'est quoi ça, un Pokémon rare? Voyons. C'est un légendaire, écoute. Je vois. Je comprends pourquoi le Proform t'a confié un Pokémon pour cette mission. Pour des chercheurs comme moi et le Proform, les Pokémon sont des amis. Et pour moi, c'est quoi alors? C'est des ennemis? Des armes? Bon, c'est vrai, ce sont des armes. Il a tout de suite compris que tu ferais attention à ton Pokémon. Ah! Ah! On peut te faire confiance, ça te dirait de me rendre service? Non! Regarde ça, c'est une nouvelle version du Pokédex! Il enregistre automatiquement les données sur les Pokémon vus ou pris.
Genre pris. Genre je prends tout ce que je veux, tu vois. C'est une encyclopédie moderne. Ouais, le Pokédex. Rencontre un maximum de Pokémon et complète le Pokédex. Ta gueule! Je compte sur toi. Oh, le rival! Le rival! Métronome! 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 C'est terrible! Y'a un problème, que faire? Reviens vite! Ouais. Oui! Tu es un Pokémon du labo. Du gâchis, ouais, une mauviette comme toi. Bon, je t'aime pas. Je vais te montrer le bon Pokémon que j'ai, moi. C'est de la bonne. Oui, on le connaît pas, il va envoyer Scorplan si tu veux. Allez, à Volsheim, métronome! Oh non, il est plus rapide que moi! Mach Punch! Ça me fera rien. Métronome! Non, mais vous êtes sérieux? On peut pas s'échapper. Ballon-ombre! Magnifique! Lui, il se tape toutes les meilleures attaques, et moi, je me prends de la merde! Bravo! Mais oui, bien sûr! Cage éclair! Mais... D'où... Mais... Attaque! Attaque! Bordel de bite! Attaque! Tu sais attaquer, non? Non. Mais... Le mec, il se... Il se set up, là! Mais... Adaptation! En normal! C'est quand que tu attaques? Vous voyez pourquoi je voulais dire que je voulais couper tout le temps? Vous comprenez maintenant pourquoi? Pique, pique. Mais pourquoi? Mais pour. Et moi alors? Mais. Coucroix. Ah oui! Il est normal! Oui! Oh, c'est bon ça! Oh, ça fait rien! Mais. Dracorage! Voilà! Ça c'est bien! Bravo! Bravo! Alors, c'est la joie? Bien sûr, connard! Allez, casse-toi! Espèce de connard! Mon nom est. Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Je serai le plus grand dresseur de Pokémon du monde. Si tu veux. Bon bah, il y a point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation qui m'a attaqué. Oui. Faut dire qu'un Pokémon a été volé ici. Je viens de recevoir des infos du Profort. Apparemment, c'est un jeune garnement aux longs cheveux rouges. Racaille, racaille. Quoi? Tu as combattu un dresseur comme ça? As-tu retenu son nom? Il s'appelait... Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Donc il s'appelait donc... Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Merci pour ta coopération. Bah écoutez, c'est comme ça son nom. Il m'a dit qu'il s'appelait point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. C'est normal. C'est affreux. Au fait, quelle est la grande nouvelle? Quelle est la grande découverte de Pokémon? J'adore le mec, il est en mode c'est affreux. Au fait, c'est quoi la découverte de Pokémon? Le mec, il a changé d'humeur en 2 secondes. L'œuf mystère. Ça. Mais c'est un œuf de Pokémon. Bah tu savais pas qu'ils étaient ovipares? Si c'est un vrai, c'est une grande découverte. Non, c'est un œuf Kinder. En fait, tu vois, il y a dedans, il y a un petit jouet. Bien sûr que c'est un vrai. Quoi? Le prof Chen t'a donné un Pokédex? Mais c'est. Mais c'est magnifique! Fabuleux! Fantastico! On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Oh, oui, j'aime l'aventure. Tu vas m'aider? Je sais, tu vas. Je vais. Non. On sait ce qui se passe avec les femmes quand tu tentes d'économiser. Ça dépense toujours derrière. C'était tellement sexiste ce que je viens de dire. Non, je retire ce que j'ai dit. C'est pas vrai. Oui, le tuto. Le tuto est randomisé. Électrode. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, allez, on s'en fout. Allez, hop. TG. Merci. Oui, on s'en fout. Bat les couilles. Ta gueule! T'es faible toi, combat! Je suis pas faible, je suis forte! Gaspard! Eh ben dis pas tout quoi! C'est le rap de Gaspard et Balthazar! Mais quoi? Ce sera jamais efficace!
Quoi? Waouh! C'est quand que tu mets un truc super efficace? Mais... Balance? Sérieux? Mais... Coup crit... Eh oh! Blizzard! J'ai raté! Coup de corne! Mais ça va? Corps perdu? Cogne bidon? Allô? Qu'est-ce qui se passe là? Machouille, merci. Ah, la série, elle va être tellement, mais accélérée de la mort. Tellement c'est long, les combats en full métronome. C'est la seule fois que je ferai ça, je pense. Oui. Oh, Zef. C'est les billes. Ah. Non. Oh. Haute boréale. Ah. Ah. Bah go! Ouragan! Yes, yeah, c'est les billes! Ah, celui-là, on va l'appeler. On va l'appeler Dinsheim. Des noms de villages alsaciens, les gars! Hein. Il va y en avoir des tonnes! Et attendez, je vous sors le. Pour l'instant, je vous sors quelque chose de très simple. On verra, dans quelques Pokémon, vous verrez, je vais vous sortir des trucs, mais. Vous allez jamais retenir les noms. Jamais. Oui. Hippolyte en bois Mimitos. Métronome. Vent glacé. Coup de boue. Eucoque. Psycho. Éclatroc. Ronflement. Mag Punch. Aéroblast. Grimace. Ultima point. Point glace. Putain, je vais dire toutes les attaques qui vont passer. Ah mais je pense que je vais faire ça à chaque fois, c'est drôle. J'aime bien. Pierre foudre. Non. Quentin. Paras. Métronome. Écrase face. Fury. Claquoir. Darvenin. Psycho. Pic pic. Sport coton. Double dard. Purée de pois. Doux baiser. Danse lame. Les à boire. Pico. Écrasement. Point karaté. Mais ça va trop loin. Feuille argentée. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? What? Qu'est-ce que c'est que ça? Plaquage. Bouclier. Empalcorne. Griffe, boule armure, clairvoyance, brouillard, poursuite, jet de sable, éclair, clonage, tunnel, bon bœuf, purée de pois, métronome, toxique, poudreuse, ah, boost, os meringue, corps perdu, bon bœuf, glas de soin, torgnole, préscience, écrasement, adaptation, danse fleur, morsure. Mais combien d'attaques j'ai dit dans cet épisode? Comptez-les. Electech, et encore, je pense que vous compterez pas tout parce que. Voilà. Bouffe la préscience. Au revoir. Oui. Hein, il y a quoi là-haut? Là, ils ont mis des choses en plus. Hein. Je sais même pas ce qu'il y a là-bas. Je connaissais même pas tout ça. Ah, on a accès ici direct? Non. Les ruines Arby, mais on s'en bat les couilles. On s'en fiche, nous on va aller à l'arène. Oh, peut-être au shop quand même. Oui. Cool. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de challenge, hein. C'est du Metronome Battle, c'est tout ce qu'il y a de plus con. 33 minutes, je sais. Mais comme c'est un épisode qui sera ultra coupé, il y a moyen que je fasse 1 à 2 heures de record pour couper justement. Tout ça parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant, hein. C'est des combats d'autistes la plupart du temps. Métronome, écume. Aïe.
Oh, ça tueur. Tout baiser. Eh, vous savez quoi? On va retirer les animations pour le reste de la série. Ce sera peut-être mieux. Ouais, j'ai gagné n'importe quoi. Waouh. Lance-boue. Cool. Oui, mon assistant. Il est où? Ah, centre Pokémon. Pas shop. C'est dans le shop, dans AGSS que ça a changé. Oui, oui, l'œuf, trop bien, c'est un Togepi. Il sera pas random celui-là. Bah, du coup, on va pouvoir descendre. Alors, oui, si j'accélère, c'est normal. C'est parce que le jeu est très très lent. D'ailleurs, vous savez quoi? J'ai oublié de modifier le layout. Voilà, c'est fait. Alors, si la série va un peu vite, c'est normal, c'est fait exprès. Parce que c'est une série qui va être très très lente à cause des métronomes. Donc j'ai décidé qu'on allait retirer les animations de combat parce que c'est trop long. C'est trop long pour rien. Vous allez comprendre. Vous avez déjà compris pourquoi. Oui. Genre, je vais level up mon Suicune aussi haut que possible. Bah écoutez, vous savez quoi, on va peut-être faire un. Parfait. On va le capturer, écoutez. Amnésie, étreinte. Lol. Oh, dommage. En plus, je suis mort. Oui. Mais putain, je vais crever. Je vais crever à cause de ça. Lol. Lol. Ça ne va pas. Tu veux peut-être que j'appelle une ambulance? Il y a forcément un hôpital ou une clinique quelque part. Je suis mort parce que mon putain de Pokémon est mort de poison en plein milieu de nulle part. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Trop level maintenant. Allez hop, Hector, Articodin, lutte. Comment ça lutte? C'est moi qui utilise lutte. Ah oui, effectivement, c'est moi. Bah mais du coup, c'est trop facile de jouer avec lutte pour éviter de jouer avec avec mes métronomes. Ouais, mais c'est autorisé. C'est autorisé d'utiliser lutte. Hein. C'est même. Des fois, même, c'est plus intéressant d'utiliser lutte que d'utiliser métronome en lui-même. Ça te fait gagner quelques tours. Ouais, trop bien. Nectaïade. En sachant que je n'ai pas. Alors, le seul intérêt de la série, c'est que même si je suis en mode. Battle. Je suis en mode métronome battle. Je n'ai. Vous voyez, je peux apprendre que métronome. Flash. Je peux activer flash. Apt, tout le monde est apt. Mais ça sert uniquement qu'à utiliser les CT. Oui. Bastien, Electek, éboulement, poursuite, aïe. Explosion, d'accord. Je suis mort. Tu t'y connais en boxe. Je suis même pas encore arrivé à Doublonville et je suis déjà mort 3 fois au moins. Heureusement que c'est pas un Nuzlocke, sinon j'aurais déjà perdu depuis longtemps. Oui. On allait faire quelque chose d'assez chill. Allez, cauchemar. Ok, super. Ouais. Picanon. Double pied. Coq, rugissement. Quoi? Requiem. Il est hors de question que tu meurs. Danse flamme, pardon. Heureusement que j'ai pas fait une attaque, sinon j'aurais pu quitter. Waouh. J'aurais pas pu quitter sinon. Waouh, super, allez bien, allez, hop, cool, allez, hop, prends le badge, merci. Allez, CT, on s'en fout, attraction, ça n'existe pas. De toute manière, hop, on retourne en arrière et on sort de cette arène de Michto. Oui. Quoi? Eucine. Ah oui, lui. Cette tour cendrée, mais où? Où est Suicune? Pourquoi il fait si noir? Bonjour. Le champion de Rosalia doit étudier les Pokémon légendaires. Suicune, Entei et Raikou. Eucine est ici. J'ai décidé de l'aider, quoi.
de fouiller la tour avec lui. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Silver? Pardon. Point d'interrogation, qu'est-ce qu'il fait là? Oula, où cette tour? Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, tu veux me faire mordre la poussière? Avec un canard artichaut, tu risques pas. Yeah, écrasement, purée de pois, et je me prends tout dans la gueule. La 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 la, Snubble, triple attaque, au revoir, Molos, charme, draco souffle, vent glacé. Et au fait, c'est quand que j'attaque? Le coq. Voilà, j'adore ce type de combat, c'est génial, on adore, oh oui, on adore ce type de combat, on adore. Allez, ta gueule, t'es pas bien, quoi? T'es pas bien, le mec il me fait tomber, quoi. Espèce de bâtard. Qu'est-ce qui se passe? Des statues! Qui s'éveille? Oh, regardez! C'est beau! Oh! Je t'ai déjà avec moi, Suicune, tu sais! Tu es dans mon équipe! Pourquoi tu t'en vas? Je suis ton maître! Eucine, j'ai creusé un trou ici, quel choc! Suicune s'est mis à débouler juste devant mes yeux. Cela faisait 10 ans que je courais après Suicune. Enfin, quelque chose. Qu'est-ce qu'il a? Il a tué tes parents, c'est ça? Tu veux te venger? Oh, c'est classique des Shonen Boy, hein. Quel choc! Ah, je te dois beaucoup. Merci. On dit que les Pokémon légendaires de Rosalia... quoi? Rester humain en les laissant s'approcher? J'ai poursuivi Suicune. A très bientôt. Au revoir. A bientôt. Ciao. On se dit... A plus. À la revoyure. Ciao. Bye. Tchuss. Combien de fois tu vas me dire au revoir? Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Scarino, Osef. Spectrum. Mais. Sors. Je veux sortir. C'est déjà. Il y a une meilleure continuité que dans la série précédente. Armure. Pour l'instant, ça ressemble étrangement à GSS avec le petit scénar de Eucine. C'est tout. Y'a rien de spécial en fait. Oui. Mais en vrai je m'en fous. Force. Mais... Ah, Je vais bien. Rassurez-vous, je vais bien. Explosion, je vais bien. Espèce de petite pute. Pour une fois que c'est pas prélèvement destin. Abîme. Abîme, j'ai fait abîme. Ce jeu n'a aucun sens. Non. Lance-flamme sur un putain de tortank. Mais oui, c'est intelligent. Frustration. Métronome. Mimiqueux. Oh, parfait. Le Mimiqueux du Celebi. Tout le monde le connaît. C'est quand que tu attaques? Merci, il aura fallu 40 000 tours pour que t'attaques. Oh non, tout ça pour ça. En plus, on est déjà à Hollyville. Casse-toi. Lance-soleil. Mais attaque un jour. Ah, j'en peux plus. Rémorette, rugissement. Cruel, Masdos. Cage éclair, sacrifice. Danse fleur, je vois tellement d'attaques défiler. Je vais devenir fou. Ah, morphing! Un Suicune jaune pisse, pourquoi pas? Quoi? Yeah! Je suis encore mort! Trop bien! on se plaît bien ici, dis donc. Oui.
Allez, tu peux faire du dégât, allez. Allez, fais quelque chose. Tu fais rien pendant que l'ennemi te tape. Allez, mais fais quelque chose. Le mec, il fait rien. Je vais mourir. Je vais mourir. Ouais, trop bien. Parce que mon Pokémon n'a pas attaqué une seule fois. Oui. Dites ça et mes KO. Hein, quoi? L'œuf. Oui, c'est un audio de merde. Et j'ai pas donné de nom parce qu'on s'en bat les couilles. Vous voulez savoir pourquoi je donne pas de nom? Regardez. Je vais vous montrer. Oh, il est parti le Dodio. Mais quelle malchance. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce Dodio? C'est qu'un Dodio, hein. Franchement, il n'y a pas de quoi s'affoler, hein. Ça aurait été un Lugia, j'aurais dit ok, mais c'est un Dodio, quoi, please. Ah non, Alberto, il m'affronte. Ah, Icarat attaque, Acrofatal, MacPunch. Oui. Oui, j'en ai 5. Elle est rentrée. On va l'appeler. Allez, on va tout de suite l'appeler par le nom le plus improbable. Non. Aïe, aïe, aïe. Sous. Alors, faut... je retrouve comment on l'appelle. Je crois que c'est comme ça. Alors, je sais plus du tout comment on l'écrit. Et si je vous dis le nom. C'est Souffelweyersheim. C'est... Vous arriverez jamais à l'écrire. Bon, je l'écris pas en entier parce qu'il n'y a pas la place. Ah, Souffelweyersheim. Ouais, c'est vraiment une ville. Cherchez sur internet. C'est fou. Alors... Ah, c'est quoi ça? Quoi? La tour de combat? Eh? Qu'est-ce que c'est que ça? La tour de combat existait dans Crystal. Bienvenue à la tour de combat. Je préfère accéder à une salle de combat. Ah. Je m'en fous! 7. Ouais. Non, Zef. Je savais même pas que ça existait à l'époque, ça. Je pensais pas que c'était aussi vieux. Moi, je pensais que la tour de combat existait depuis... Ruby et Saphir, mais pas avant. Pas Cristal, quoi. Or et Argent, je savais qu'il y avait pas, mais... Mais Cristal, je savais pas. Du coup, est-ce que ce mec-là me parle de la zone de combat? Un grand immeuble droit devant. D'accord. Les beaux paysages. La mer, c'est beau. Effectivement, c'est beau. Ouais... Mais vu que tu as des badges, tu devrais t'en tirer. Rien à voir. Bref, écoutez les amis, on va s'arrêter là. Voilà, j'ai sauvegardé. J'ai fait 1h21 de record. C'est le premier épisode. Il aura été bien monté, bien dynamisé. Fait de sorte à ce que ce soit plus ou moins drôle, hein. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez stylé. En attendant, j'espère que vous avez quand même pu apprécier l'épisode malgré le fait que j'ai quand même beaucoup accéléré, que j'ai beaucoup perdu aussi parce que c'est un Metronome Battle, hein, challenge. Donc c'est très très difficile puisque les Pokémon peuvent très bien attaquer tout le temps comme ils peuvent très bien ne jamais attaquer pendant une cinquantaine de tours. Et c'est tellement long que je suis justement obligé de cut en permanence pour justement qu'il y ait un certain dynamisme dans Crystal. Ne vous inquiétez pas, c'est bien la seule série Metronome Battle Challenge que je ferai. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, hein, je pense peut-être que j'aurais coupé la plupart du temps, mais je vous aurais peut-être montré de temps en temps ce que ça donne un combat d'autiste. Et me voir perdre la boule, je pense que ça doit en faire plaisir à certains, puisque justement ça permet un petit peu de rendre la chose un peu plus drôle et humoristique. Donc c'est pour ça que du coup je me lâche un petit peu. Cette série là c'est vraiment une série où je me lâche. Je lis même pas les dialogues tellement l'histoire est similaire à celle qu'on a déjà vue, hein. Pour l'instant, à part les quelques différences notables comme par exemple la tour de combat ou Eusine, y a rien qui a changé, hein. T'as le machin avec Suicune qu'on revoit dans AGSS et honnêtement il change pas beaucoup par rapport à Crystal. Donc bon, au final, mis à part les quelques maps supplémentaires que j'ai pu voir, soi-disant, hein, y a par exemple un arbre qu'on pouvait faire coupe à Mobile, j'avais jamais vu ça.
bah, mis à part ce genre de choses, il y a moyen de pouvoir... tiens, il faut juste que je récupère Surf. Oui. Bon, bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager à ce que vous voulez. Et moi, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 2 de Pokémon version Crystal en version accélérée, si on peut l'appeler ainsi. Allez, sur ce, bye tout le monde.